One, we are live. Bonjour à tous, bienvenue dans ce thème numéro 4 qui est consacré au sport et au droit de football et ses droits, mais les droits commerciaux surtout. C'est une précision assez importante qu'il faut faire. On parlera des droits TV, on parlera de marketing, on parlera du sponsoring notamment. Mais juste avant de présenter tous les panélistes, vous savez que le parrain de cette édition de Africa Football Goal est Pape Diouf, l'honorable, l'éminent Pape Diouf qui nous a quittés il y a bientôt un an. On va vous proposer ce témoignage justement qui rend hommage, encore une fois, on ne cessera jamais de rendre hommage à Pape Diouf. Pas de son. Le son ne passe pas. Je ne sais pas si c'est chez moi ou mais en tout cas les autres, mais le son ne passe pas. Je n'entends pas non plus. Moi aussi. Alors là, ça cause problème. Bon, on va reprendre. L'équipe technique, Moussan, vous voulez vérifier la qualité de la vidéo. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, on le réintégrera tout à l'heure. Le temps, certainement, de présenter, comme on a dit tout à l'heure, les panélistes présents sur ce thème, donc numéro 4. Je voudrais commencer par le professeur Abdoulaye Sarro, professeur qui a fait sa réputation aujourd'hui à travers l'Afrique et le monde du sport en général sur son expertise au sujet de toutes les questions liées au droit et au droit du sport. Bienvenue, professeur. Merci, mon cher Aboubakri. Merci beaucoup et heureux de partager avec vous. Puisqu'il s'agit juste de se présenter, autant laisser présenter tout le monde avant qu'on en revienne. Mais vous avez raison, je suis un professeur de droit et je m'intéresse à ces questions parce que je suis un passionné de sport. Tout à l'heure, on a posé la question de savoir est-ce que j'ai déjà joué. Oui, j'ai joué comme tous les jeunes Africains de mon âge à l'époque, mais je n'ai jamais été au niveau qui me permettait d'être considéré comme un professionnel du football. J'ai joué en tant qu'élève, en tant qu'étudiant. Voilà, j'ai fait mes études en France. Je suis un agrégé, comme on dit aujourd'hui, de droit parce que j'ai fait tous les diplômes qui peuvent exister dans le droit. Je suis spécialisé dans le business law, mais ma passion m'a amené à m'occuper de ce qui se fait en termes d'organisation, de gouvernance, de droit dans le sport, de manière globale et dans le foot particulièrement. Alors voilà, c'est merci, ce que je peux dire en attendant. Merci beaucoup à vous et bienvenue à tous les autres. Même merci, si c'est... directeur fondateur du master d'économie de droit, notamment à l'université. À Dakar. Merci beaucoup, professeur Sarro. On va passer la parole à Riyad Aït Aoudia, d'origine algérienne, qui va se présenter également. Bonjour, Riyad. Bonjour. Mes salutations à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Écoutez, je suis très content d'être ici. Je vais parler de mon parcours très brièvement. Donc, moi, je viens du milieu de l'entreprise, milieu du sponsoring dans le marketing. En fait, mon métier est d'aider les sponsors et les sociétés économiques principalement, c'est-à-dire à la base, à dépenser leur budget marketing, donc à réunir tout un tas d'informations, tout un tas de connaissances pour aider les entreprises à faire les meilleurs choix. Africain et l'Algérie, sa particularité d'avoir le football comme vraiment... On dit souvent que le football ici, c'est la deuxième religion. Et c'est pas faux. En tout cas, c'est une passion qui est extraordinaire. Et aucune société qui travaille, enfin qui essaie de développer ses marques ou ses affaires
ne peut rester indifférente au football. Donc, rapidement, nous nous sommes intéressés au football. Et en tant que sponsor, plus simplement, mais rapidement, on a dû comprendre un petit peu tout l'écosystème, tout l'enregistrement, tout, on va dire, l'environnement. Et on s'est donc mis à la disposition aussi des détenteurs de droits, donc par exemple la Fédération algérienne de football, pour les aider à organiser. Attention, le son se dégrade là. Le son se dégrade. Et avoir une offre qui puisse. Peut-être autant on est très très bon en football. Peut-être en connexion Internet, on n'est pas aussi bon. Voilà, donc je suis désolé. Voilà, en gros, donc voilà, on a accompagné un petit peu la Fédération de football et ça nous a permis de découvrir cet environnement de football qu'on connaissait comme tout le monde de l'extérieur. Et là, on a connu de l'intérêt, on a compris la difficulté, enfin, les challenges que la pression que subit et aussi l'importance de. On a développé une expertise un petit peu dans le football, que ce soit en Algérie, en Afrique. Et on a représenté l'Algérie dans des salons en Europe. L'équipe d'Algérie, on a vu que le football est quand même un trait d'union entre les cultures et entre les pays qui est fantastique aussi, au-delà de l'aspect pur business. Ça nous permet d'être là aujourd'hui. En fait, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. On est très contents. Voilà. Merci infiniment, cher Riyad. On va continuer en rappelant encore quelques impératifs liés à la traduction, notamment parce qu'il y a avec parmi nous des gens qui ne parlent pas tous français. Donc, laisser un peu le temps pour que les modérateurs, enfin, les interprètes puissent permettre à des participants non francophones de nous suivre. À l'image de celui qu'on va faire intervenir maintenant, Salem Ali Al-Samsi, bonjour, qui va lui parler en anglais, bien sûr, des Émirats Arabes Unis pour sa présentation. Welcome, Salem. Good afternoon and good morning to some of you, and I hope by the next time I would learn some French. So, first of all, it is a pleasure to be participating in this event today and having the chance to talk about an important topic. And as part of the UAEFA, representing as a board member and the head of the International and Diplomatic Relationship Committee in the UAEFA board. So, I'm really keen to talk about the experiences that we have implemented in UAE. And to learn from the others here and to understand more on how we can collaborate, especially on this specific topic that has evolved pretty fast, and that the current situation made us in fact move at a faster pace in order to look into other or consider other options when it comes to rights or broadcasting or streaming the games, in order to always have the continuation of the game and the different or hard situations. So I hope that everyone would know more about the UAEFA and the practices that we have done in the United Arab Emirates, and I'm pretty glad and honored to be part of this event today. Thank you. Shukran, merci beaucoup. L'honneur est pour nous, et l'honneur est pour nous, évidemment, de pouvoir partager des expériences comme la vôtre. On en profitera certainement au cours de ce panel. On va, je vois que Monsieur Vincent Ponceau nous a rejoint. On va lui laisser le temps. Voilà. Bonjour Vincent. Donc le temps de se présenter également, et puis on va entrer dans le vif du sujet. Vincent, à vous. Bonjour. Je vous remercie. Je vous remercie déjà pour votre invitation, et puis je suis heureux de participer avec autant d'éminences grises africaines. Donc, je suis Vincent Ponceau, je suis directeur général du football à l'Olympique Lyonnais, ce qui est un poste, on va dire, nouveau chez nous, et je pense aussi nouveau dans un certain nombre de clubs en Europe.
Ce qui veut dire que dans ma mission, j'ai bien évidemment l'équipe pro masculine, l'équipe pro féminine que je pense vous connaissez, tout ce qui est formation, mais également l'équipe d'OL Reign qu'on a racheté à Seattle, équipe féminine de foot aux États-Unis, et le développement à l'international. Et dans le développement à l'international, je voudrais saluer notre partenaire Dakar Sacré-Cœur, avec lequel on a un partenariat depuis 6 ans maintenant. Très bien, très bien. Merci et surtout, donc, comme on l'a dit, bienvenue. Je rappelle, on a à peu près 1h20 maintenant pour développer ce thème. On a parlé de droits commerciaux, de droit TV, notamment le marketing, de sponsoring. La note introductive avec, on va laisser la parole au professeur Abdoulaye Sarko, qui va, avec vous, professeur, si vous voulez bien, de faire une sorte d'état des lieux un peu en Afrique. Vous avez parcouru, vous avez une fine connaissance de la pratique aujourd'hui sur le continent. Si vous aviez à porter un jugement sur l'état du marché, le marché des droits commerciaux en Afrique, vous direz quoi? Je voudrais d'abord vous remercier Diapo et surtout d'avoir pensé à Pape Diouf. On n'a pas écouté son ami Mamadou Koumé tout à l'heure, mais j'ai une très forte pensée pour Pape Diouf et ça fait vraiment plaisir de savoir que malgré son départ, il est encore là, il est dans les cœurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué le football aussi bien européen qu'africain. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui voudraient l'avoir comme exemple et suivre ses traces. Ceci dit, la question liée au football et au droit, vous avez parfaitement raison d'insister aujourd'hui sur la question liée aux droits commerciaux, comme vous dites, aux droits de télévision, qui sont peut-être les droits sur lesquels on compte énormément pour, à la limite, financer l'activité sportive et particulièrement le football aujourd'hui. C'est intéressant. Mais je voudrais, avec votre permission, voir le problème de manière un peu plus globale. Je vais terminer par les droits de télévision. Mais dans la relation entre football et droit, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire et qui intéresseraient l'Afrique aujourd'hui et cette Afrique du football qui est en train de nous écouter. C'est la raison pour laquelle je voudrais voir les choses en 3 points. Le premier, le deuxième et le troisième sont tous des articulations entre football et droit, mais chacun dans un domaine qui intéresse l'Afrique d'une manière assez particulière. Et le premier point sur lequel je voudrais insister, je ne vais pas rester longtemps, je voudrais juste introduire, avec votre permission, M. Baba Aboubakri, c'est juste de dire ceci. Il y a que le football est une activité qui est devenue un secteur économique les plus importants, et j'allais même dire les plus dynamiques parmi les secteurs économiques du monde aujourd'hui. Que l'on soit dans le numérique, que l'on soit dans le pétrole, que l'on soit dans les autres activités, aujourd'hui, les activités sportives sont devenues très, très importantes et les États s'en mêlent, les États s'en occupent. Alors, de ce point de vue, les droits qui doivent être respectés par l'humanité entière ne peuvent pas ne pas être pris en charge par le football et son activité. Le football ne peut pas être considéré comme un îlot, comme une sorte d'activité d'électron libre qui fonctionne. Alors, sur ce plan-là, on le voit tous les jours. Et sur ce plan-là, on le voit tous les jours, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je dis qu'il y a ce que moi j'appelle les droits monumentaux, qui sont des droits que toute l'humanité, et je dis bien l'humanité entière, est en charge de prendre en compte, et ces droits monumentaux pénètrent progressivement le sport et sont pris en charge et s'imposent au football. Je pense à une seule chose, les questions liées aux discriminations raciales, discrimination sur les femmes. Aujourd'hui, aucun match de football, de première ligue, ne peut commencer sans que les joueurs se mettent à genoux. Pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que le sport est en train de prendre ça en charge. Ça, c'est sur les discriminations, c'est les droits de l'homme. Il y a également des questions qui intéressent le monde du sport aujourd'hui. C'est tout ce qui est transparence. On parle de gouvernance dans la gestion du sport. La transparence, elle est fondamentale. Elle est tellement importante qu'elle est prise en charge également au niveau humanitaire, au niveau mondial,
Et le football ne peut pas ne pas s'occuper de ces questions-là. Donc, tous les financements, tout ce qui tourne autour de financement de terrorisme, tout ce qui tourne autour de flux financiers illicites, et doit être pris en charge par le sport. Il y a la question de l'éthique de comportement pour ne pas fausser les compétitions sportives. L'éthique de comportement, c'est quoi? C'est le dopage. L'éthique de comportement, c'est la corruption. Nous connaissons très bien cela en Afrique, la corruption sur les arbitres, ou alors, autre chose, la corruption de footballeurs, c'est fort possible. Mieux, on va aller plus loin, quelque chose qui est spécifique au continent africain, c'est la fraude sur l'âge des jeunes footballeurs. Ce sont des questions qui sont très importantes et qui sont des questions de droit et que l'on doit prendre en charge. Je peux même aller plus loin, on parle aujourd'hui quand on veut mettre en place des infrastructures sportives, les questions liées à l'environnement viennent également prendre, doivent être prises en compte par le milieu du sport. Alors, ce premier point, M. Ba, je crois qu'il est fondamental. Et là, moi, j'en appelle aux dirigeants du sport africain. Ce n'est pas au niveau des États, ce n'est pas au niveau des fédérations nationales, mais c'est plutôt au niveau confédéral que l'on doit pouvoir régler ces questions-là en utilisant une stratégie, je vais y revenir, une stratégie qui consistera à une stratégie de, moi, ce que j'appelle la compliance, de conformité, de faire en sorte que les différentes fédérations montrent qu'elles prennent en charge ces questions-là. Ça, c'est le premier point. Le second, M. Ba, si vous permettez, ce sont les droits sur les entités sportives. Et je crois que ça va intéresser beaucoup M. Ponceau. Pourquoi je le dis? Il est en relation aujourd'hui avec Dakar Sacré-Cœur. Les entités sportives, ce sont les clubs qui sont la base de l'activité sportive, les clubs de football. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a des investisseurs qui arrivent. À côté de cela, il y a ceux qui se considèrent comme les propriétaires légitimes, les supporters, ceux qui étaient là au départ. Alors, il y a une articulation à faire entre les investisseurs qui viennent, eux, peut-être dans une logique financière de gagner de l'argent et le supporter qui est le propriétaire légitime qui, lui, voudrait avoir des résultats sportifs. Comment concilier les résultats économiques et les résultats sportifs? C'est une grosse difficulté et M. Ponceau, Vincent, ne va pas me contredire quand je dis que ce qui se passe actuellement à Marseille et ce qui se passe dans le Football Club de Nantes, c'est un peu cette question de supporters et d'investisseurs. Qui est propriétaire du club? C'est des questions sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Et pourquoi je dis que ça intéresse l'Afrique? Parce que de plus en plus, on assiste, en tout cas dans un pays comme le Sénégal, à une sorte de mort programmée des clubs historiques par le biais d'investisseurs qui arrivent et qui prennent en charge des clubs qui ne sont pas des clubs sportifs, mais qui sont plutôt des sortes de centres de formation dans lesquels on va puiser pour aller donner des talents au marché des footballeurs. Sorry, je vais parler doucement pour l'interprète, effectivement, il a parfaitement raison, je parle très vite. Donc, je ne suis pas dans un an. C'est vrai, il faut essayer. Je sais que la passion est là déjà, mais on pense à notre ami Salem. Donc, je dirais que les clubs de football aujourd'hui en Afrique, c'est plus des clubs qui sont créés pour des besoins d'investissement et de fourniture de talents au marché des championnats, des grands championnats, que pour nous. Enfin, cette question, elle est assez importante et c'est la dernière. Et c'est sur cela que je vais terminer et c'est sur cela que tu avais commencé, Aboubakri. C'est la question des droits de télévision, des droits commerciaux. Moi, je crois qu'on doit les utiliser en dehors même des droits de télévision, toutes les ressources de la propriété intellectuelle, les marques, les licences, les droits à l'image, les droits de télévision, tout cela doit pouvoir être utilisé pour financer le football africain. Et hier, j'ai entendu, je me demande si ce n'est pas le ministre marocain, qui disait qu'il ne comprend pas comment ça se fait que des Didier Drogba, des Samuel Eto'o, des Sadio Mané, des Salah, ils font le spectacle en Europe, ils font vivre des télévisions et que l'Afrique ne bénéficie pas de cela. Il y a des choses et peut-être des contrats à mettre en place pour que dans le spectacle dans lequel les fils de l'Afrique participent, que l'Afrique puisse bénéficier de cela. Ça aussi, ce n'est pas seulement les droits de télévision vus de manière traditionnelle ou les droits à l'image vus de manière traditionnelle, c'est une sorte de revendication d'une part des bénéfices générés par le spectacle dans lequel il y a les fils de l'Afrique pour que l'on puisse avoir quelque chose. Parce que quand on prend le championnat de France, il y a des partages de droits de télévision et certains en bénéficient.
pourquoi pas l'Afrique, parce que nous avons des jeunes qui sont là-bas et qui font le spectacle. Voilà un peu à guise d'introduction ce que je voulais dire pour soulever des problèmes. Effectivement, on va me demander qui est en charge de tout cela. C'est la CAF, ce sont les États, ce sont les fédérations et ce sont également des gens comme nous qui réfléchissons autour du football, qui réfléchissons autour du sport, qui devons prendre en charge ces questions-là pour leur donner des solutions. Et les stratégies existent. Il suffit juste qu'on nous écoute et vous verrez qu'on vous donnera les stratégies qu'il faut. Voilà un peu ce que je voulais dire en vous remerciant vous tous, Excellence Salem, Riyad, Vincent et tous ceux qui sont autour de ce panel. Je suis très content de le partager avec vous. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci, merci infiniment, professeur. On pourrait vous écouter pendant des heures. Il y a aucun problème. On reviendra tout à l'heure et on vous interrogera notamment sur justement tous ces aspects pratiques en termes de type de contrat, en termes de sécurisation de contrats, de tout ce qui aujourd'hui entoure l'environnement du football en termes de droit. Merci beaucoup, professeur. S'il n'y a pas... Nous avons perdu le modérateur. On va continuer. Ouais, je pense qu'on a été coupé. En train de... Je suis là, je pense. On a été coupé. Donc, on va essayer de passer. Excusez-moi, je pense qu'il y a un problème technique. On va passer la parole rapidement à Riyad, qui va nous parler de sponsoring, notamment en s'appuyant sur l'expérience de la Fédération algérienne. Bonjour à tous, rebonjour. J'ai pas eu l'occasion de saluer M. Ponceau. Je le salue. Merci. J'ai été intéressé par ce qu'il a présenté, cette équipe de Seattle et des horizons de développement auxquels on ne pense pas. Et on voit que le football se transforme et c'est intéressant. Ce qui me lie aussi à son club, c'est qu'un des joueurs qui les a réunis récemment est un ami avec qui j'ai longtemps travaillé, qui est Islam Slimani. Un garçon d'une gentillesse et d'un esprit exemplaire qui vient d'un quartier populaire d'Alger. Comme quoi, il y a des mécanismes, il y a une réalité en tout cas du football et de l'économie entre l'Afrique et l'Europe, la France et Lyon, qui est un des plus grands clubs d'Europe. Alors, j'ai bien écouté l'exposé du professeur et avec grand plaisir, puisqu'il nous fait prendre un petit peu de hauteur. Le son est en train de nous... À la fin, je fais partie des petits... je suis désolé. Ouais, là, c'est le son. Désolé, on vous voit très bien, mais c'est ça illustre un petit peu. Ouais, bizarrement. Ça illustre un petit peu la réalité dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on a d'autres problèmes. Cette histoire de connexion, si on parle des droits sportifs et si on parle du digital et de ces leviers de développement, ben voilà, ça nous met un petit peu dans le bain. Ce que je vais dire sur mon expérience, qui dépasse peut-être l'expérience à la Fédération algérienne, c'est globalement en Afrique, à part quelques pays, il n'y a pas vraiment un marché des droits important. C'est-à-dire qui permet de financer le football dans les mêmes proportions que ça peut être le cas en Europe. Je vais parler de l'Europe puisqu'on parle du football, principalement c'est un marché qu'on connaît. C'est-à-dire que si on regarde les niveaux de revenus, on va s'apercevoir que la part des droits sportifs en Europe, elle est beaucoup plus importante. Je ne voudrais pas ennuyer les gens avec des chiffres, mais voilà, les droits sportifs en Europe sont beaucoup plus importants. Tout simplement parce qu'il y a un marché média qui a des revenus beaucoup plus importants. Même si souvent, lorsqu'on entend ceux qui achètent et qui revendent le football, souvent, ils expliquent qu'ils ne gagnent pas d'argent, hein, que ce soit les canals ou les autres, et que souvent, on fait ça pour l'image de la chaîne ou le prestige. Il me semble que, malgré tout, c'est des montants très, très importants qui sont reversés.
que ce soit à travers les championnats nationaux ou à travers ce qui est redistribué pour la Champions League, par exemple. On est dans des échelles vraiment complètement différentes. Ce qui fait qu'on est dans une problématique un peu de la poule et de l'œuf, dans le sens où, pour que ces organisations se développent, parfois, ce qui leur manque, c'est un peu d'indépendance. Mais elles n'ont pas d'indépendance parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est principalement les États qui soutiennent le football. L'argent vient encore des États. Et que sans le soutien dans beaucoup de pays, les clubs ne pourraient pas fonctionner, ne pourraient pas voyager pour participer à des matchs. Vous imaginez qu'ils doivent faire des milliers et des milliers de kilomètres et tout ça, c'est des frais. Donc, du coup, le fait que ce soit un petit peu placé sous la tutelle des États, on va dire de façon légitime, puisqu'elles sont les principaux bailleurs de fonds, eh bien, parfois, les mécanismes qui font qu'on pourrait développer les droits, qui sont tout simplement les mécanismes du marché et qui nécessitent une certaine organisation, c'est-à-dire d'avoir tout simplement des départements commerciaux et marketing forts, ou en tout cas qui ont leur mot à dire dans les organisations footballistiques, ben, elles n'ont pas tellement de mots à dire. Donc, on est un petit peu bloqué comme ça. Alors, ce n'est pas le cas de tous les pays. Je parlais de la... On a un pays comme par exemple, l'Afrique du Sud qui a des standards, enfin qui est proche des standards européens. On a des pays un petit peu comme l'Égypte, comme je dirais aussi le Maroc, dans une moindre mesure l'Algérie, puisque il commence à y avoir de l'argent dans le football, mais parfois l'argent ne suffit pas. Il faut le droit. Et effectivement, je dis ça. Puisqu'il faut que ce soit organisé, il faut qu'il y ait des règlements clairs sur la répartition des droits, puisque vous avez beaucoup de conflits naturellement dans le football, puisque vous avez les intérêts des joueurs qui peuvent s'opposer aux intérêts des intermédiaires, qui s'opposent aux intérêts des clubs, des fédérations, des ligues, des confédérations. Et les conflits sont naturels. Ce qui ne suit pas parfois, c'est le droit. Tout simplement. C'est-à-dire que donc, des fois, nous, on est bloqué et tout le monde est perdant à cause de vides juridiques sur la répartition. Je vais donner un exemple pour être concret, puisque je suis censé être un praticien. Nous avons parfois des matchs ici où les clubs doivent se partager. Ça va peut-être faire bondir monsieur Vincent. Mais parfois, les clubs doivent se partager leur revenu avec le propriétaire du stade. Et c'est des conflits qui sont anciens. Ils disent, non, mais moi, c'est moi, mais le stade est à moi, donc c'est normal que j'ai l'argent. Mais non, l'argent doit revenir au club, puisque c'est nous qui... Et en fait, la loi ne clarifie pas. Donc, on reste bloqué dans des choses comme ça. Et ayant un problème de overlapping, on va dire, en tout cas, des périmètres qui se chevauchent, parfois, c'est au plus, on va dire, au plus audacieux, pour ne pas dire d'autres mots, que les droits vont revenir. Et ce qui fait que l'environnement qui est censé pallier au manque des États, qui sont les entreprises, elles ont peur de venir, puisqu'elles se retrouvent au milieu de conflits qui ne sont pas réglés, qui ne sont pas clairs. Donc, tout simplement, prenez l'exemple, on discutait avec son excellence, je l'appellerai Salem, s'il me permet. Salem, monsieur Salem. On échangeait sur le fait que. Alors, ce qu'on va faire avec. On essaiera peut-être le temps pour Yad de revoir un tout petit peu sa connexion. Parce que ce qui est bizarre, c'est que l'image est claire, le son ne l'est pas. Donc, c'est de voir si c'est pas mieux. Excuse-moi, je peux peut-être désactiver le. Parce que mon visage n'est peut-être pas important. Je peux désactiver l'image. En tout cas, l'image est claire. OK, mais on a moins besoin que ce que je dis, peut-être. Bah ouais, non. Allez-y, on va vérifier ça, peut-être. Alors, je m'excuse. Allez-y. C'est vrai que. On parle de droit audiovisuel, c'est vrai que l'image a son importance. Oui, voilà. Audio, aussi, on s'arrête à audio, allez. Ce qui me fait penser, que, effectivement, on a nous, sur les droits, on a aussi des conflits entre ce que la radio a le droit de passer dans le cadre du droit à l'information, ce qu'elle n'a pas le droit de passer. Donc voilà, on parlait, donc pour revenir à ce que je disais sur M. Salem, on parlait du fait
qu'un des indicateurs de développement du football, c'était parfois, dans le terme de gouvernance, c'était la place de la Ligue par rapport aux fédérations et de façon générale la problématique de la centralisation. On a des États en Afrique, je ne veux pas les citer, et ça a été le cas dans notre pays, où bah, parfois le ministre peut directement décider que tel club va jouer dans tel endroit, enfin dans des détails qui sont vraiment… ou qui devrait jouer dans tel stade. Alors, ça fait les choux gras des médias, et tant mieux pour le football qu'on en parle, mais voilà. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des droits de diffusion qui soient bien, on va dire, valorisés, bah, il faut qu'il y ait un minimum d'organisation, il faut qu'il y ait une ligue qui soit forte, je dirais, pour qu'elle puisse négocier que ses droits, puisque parfois, les fédérations négocient les droits de leurs matchs et en même temps, elles mettent un package avec la Ligue. Et elles ne sont peut-être pas les mieux concernées ou celles qui pourront mieux vendre leur compétition. Donc, auquel cas, la gouvernance et l'organisation du football est très importante. Ces ligues doivent se faire aider parfois par des intermédiaires. Nous sommes intermédiaires et nous avons une connaissance du marketing, une connaissance en tout cas des entreprises, de ce qu'elles attendent. Les grands clubs l'ont en interne, elles ont internalisé, les grandes fédérations, mais parfois, certaines fédérations n'ont pas tout simplement les ressources et elles doivent faire appel à des intermédiaires. Et ça, c'est important. Mais effectivement, il faut que ce soit balisé en amont par le droit, des règlements marketing clairs, des règlements médias clairs, ce qu'on ne trouve pas. C'est-à-dire que nous, parfois, on achète quelque chose et puis au final, on se retrouve avec quatre propriétaires qui réclament une part. Et ce qui n'est pas un souci, le souci, c'est que ça n'évolue pas et que ces dossiers ne sont pas suffisamment considérés comme importants. Alors, je parle doucement exprès. Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Non, c'est bien, c'est bien. Est-ce que M. Ali Chemsi m'entend bien? Salem, est-ce qu'il m'entend bien? Est-ce que c'est la traduction est claire? C'est bon, allez-y. Okay, très bien. L'importance du droit est importante pour que, au final, les transactions ne se font pas quand il y a des conflits, quand il y a des zones d'ombre, quand il y a des vides juridiques. Je vais donner un exemple. Étant donné que le football est, je vais donner l'exemple de l'Algérie pour vous compreniez. Nous avons une scène médiatique qui est assez ouverte puisque nous avons des chaînes de télévision qui sont privées. Mais étant donné que le football est principalement financé par l'État, en général, la Ligue, elle ne peut vendre qu'à la chaîne de télé publique. Et donc, c'est des négociations qui sont… et c'est le cas dans d'autres pays d'Afrique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chaîne ou alors il y a une préférence à la chaîne publique. Et ce qui fait qu'il n'y a pas réellement de concurrence. Et on sait très bien que la concurrence, c'est quand même le levier de développement des droits. On a vu ça en France, on est un peu surpris par ce qui se passe en France en ce moment là sur la question des droits, puisqu'on trouve des choses qui sont, on va dire, nouvelles, mais en tout cas intéressantes. Donc, en tout cas, ça me paraît très, très important que les détenteurs de droits puissent avoir l'autonomie, puissent avoir l'expertise. Moi, je vois beaucoup de problèmes de développement qui sont liés qu'à ça, puisqu'au final, si on n'a pas de bons revenus, alors il y a les revenus médiatiques, il y a les revenus marketing aussi. En Algérie, les revenus marketing sont très importants, les sponsors. Et c'est parce que justement, c'est un petit peu l'endroit par lequel le marché réel, les grandes entreprises, peuvent s'associer au football plus facilement qu'à travers les droits, en sponsorisant les équipes, en utilisant leurs images. Mmh. Et d'autant plus qu'il y a une explosion du digital et il y a une explosion de la façon, puisque avant on était limité par un nombre de panneaux, on était limité par une visibilité, une surface sur un maillot. Aujourd'hui, grâce au digital, on peut vraiment associer les marques et leurs promesses et leurs histoires avec le football de façon très, très… Riyad, donc ce qu'on va faire avec votre permission, on reviendra… excusez-moi, vers vous tout à l'heure pour parler quand même de ce qui marche en Afrique, parce que tout n'est peut-être pas très, très mauvais. On va parler de ce qui marche, de l'exemple algérien, notamment de l'exemple de la fédération ougandaise et d'autres expériences que vous voudriez bien partager avec vous. On a un impératif par rapport à Vincent, parce qu'il ne peut pas rester jusqu'à la fin.
Il nous a fait quand même la gentillesse d'être avec nous. On va lui passer la parole pour parler un peu de la stratégie globalement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sponsoring ou de marketing, je pense que l'OL est champion du monde de toutes catégories dans ce domaine-là, et surtout qu'il y a une ouverture vers l'Afrique. Cette ouverture pourrait peut-être en inspirer plus d'un. Vincent, vous avez la parole pour parler justement de cette orientation et de ce que l'Afrique aujourd'hui pourrait tirer de cet exemple, de cette collaboration que vous mettez en place à travers Dakar Sacré-Cœur notamment. Je vous remercie. Avant peut-être juste de m'exprimer sur ce sujet-là et sur le sujet plus global des droits, je voulais revenir quelques minutes sur l'intervention du professeur Sacco, que j'ai particulièrement apprécié, et notamment le fait qu'il démarre par les droits monumentaux. Parce que je pense en effet que lorsqu'on parle de droits, c'est peut-être les premiers droits dont il faut parler, c'est un socle important au développement des autres droits. Et je dois avouer qu'à l'OL, c'est un sujet qui nous sensibilise particulièrement. On a parlé d'égalité et on l'a démontré en construisant un projet autour de notre équipe féminine. À un moment, le football féminin avait assez peu de reconnaissance. Il a parlé d'éthique, d'environnement, ce qu'on appelle chez nous les RSE, qui est un pilier fondamental dans le développement de notre club et qui tient tout particulièrement à cœur à notre président Jean-Michel Aulas. Et c'est vrai que quand vous m'avez posé la question avant cette conférence des droits, j'ai pensé à un certain nombre de choses, la marque, le produit, avec ce qu'on a évoqué là sur les droits télé, mais aussi les droits autour des contrats des joueurs, qui dans le football européen est devenu un droit très important en termes de développement économique. Et je n'avais pas pensé aux droits monumentaux, alors que c'est peut-être la base de tout. Le deuxième élément qui fait le lien avec votre question, c'est ce que le professeur Sacco a évoqué aussi, le droit autour des entités sportives, le droit des entités sportives. Et je partage totalement sa réflexion parce que aujourd'hui, il a pris l'exemple de Nantes ou de Marseille, que bien heureusement, mais on est à l'abri de rien, nous ne connaissons pas aujourd'hui. Et je pense que c'est justement parce qu'on respecte un équilibre entre l'intérêt des investisseurs ou des propriétaires et ceux des supporters ou des autres ayants droit, puisque un club de foot dans n'importe quel pays ou ville du monde a un écosystème à gérer et à respecter. Et quand on ne respecte pas cet écosystème, cet environnement, avec un équilibre, eh ben, on fait face à un certain nombre de difficultés. Ce qui fait le lien avec, donc on a en effet une ouverture sur le continent africain. J'ai parlé de Dakar Sacré-Cœur, on a aussi un partenariat avec le FUS de Rabat au Maroc ou avec l'Académie Mohamed VI au Maroc. Je vais parler un peu plus précisément de notre partenariat avec le club de Dakar Sacré-Cœur, parce que ça fait 6 ans qu'on travaille main dans la main avec eux. Et la première des choses, c'est qu'on a été justement respectueux de cet équilibre d'entité sportive. D'abord, nous, on n'est qu'un partenaire, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires du club, et Lyon n'est pas le propriétaire du club et n'a jamais souhaité devenir propriétaire d'un club. Et ensuite, on s'est resté à notre place, c'est-à-dire que depuis 5 ans, on accompagne Mathieu Chupin, le président de Dakar Sacré-Cœur. On le conseille sans détenir la vérité, mais on partage notre expérience, on partage notre savoir-faire sur la formation, par exemple, sachant que les clubs sénégalais, puisque je parle là en l'occurrence de Dakar, ont également, eux, leur propre savoir-faire en termes de formation et qu'il ne faut pas penser, je ne sais pas comment le dire, il ne faut pas penser répliquer un modèle qui existe chez nous, en France, dans d'autres pays. Puisqu'il faut respecter la culture, il faut respecter un certain nombre de choses. Il faut juste accompagner, compléter, partager de l'expérience tout en s'adaptant
à l'essence même de ce qui existe dans le club dans lequel on est partenaire. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 6 ans avec Mathieu au sein du club de Dakar Sacré-Cœur. Mais, et pour juste terminer là-dessus, en termes d'histoire et peut-être de genèse, quand on a rencontré la première fois le club de Dakar Sacré-Cœur et Mathieu Chupin, même si la finalité de notre partenariat était de les accompagner plus sur l'aspect formation et football, ce qui nous a décidé, c'est pas ça. C'était le projet global qu'avait le club de Dakar Sacré-Cœur, qui est assis sur un modèle de football de loisirs et surtout qui a des activités sociales et ce qu'on appelle donc nous RSE très développées. Et il n'y aurait pas eu ça, on n'aurait pas fait le partenariat avec le club de Dakar Sacré-Cœur. Donc on revient au sujet pour moi des droits monumentaux. Concernant les droits au niveau d'un club comme l'OL, pour moi, il y en a, d'un point de vue commercial, trois principaux. Et je demanderai au professeur Sacco de m'excuser si sur un de ces droits-là, je ne vais peut-être pas être totalement en ligne avec la règle juridique. Mais pour moi, il y en a trois. D'abord, il y a les droits autour du produit. Et lors de la dernière intervention, que j'ai particulièrement appréciée aussi, puisqu'on parlait là un peu des droits télévisuels, il y a en effet ce qu'a évoqué l'intervenant qui est l'impérative nécessité d'avoir une règle juridique claire. Mais je vais rajouter aussi autre chose, c'est que la qualité de ces droits d'un point de vue économique était essentiellement liée à la qualité du produit. Et le produit, c'est un championnat. C'est un championnat avec des droits en effet clairs, mais c'est aussi un championnat qui raconte une histoire, qui est régulier, qui a des dates régulières. La régularité pour le diffuseur est fondamentale pour raconter une histoire à ses abonnés, par exemple. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, sur le continent africain, doit être peut-être amélioré pour augmenter la qualité de ces droits-là. En France, vous avez, je pense, tous suivi l'actualité avec le naufrage Mediapro. On est sur un système où même si nous, Olympique Lyonnais, on est propriétaire de nos droits et la règle juridique, elle est claire, il y a une centralisation obligatoire au niveau de la fédération ou de la Ligue, donc en l'occurrence chez nous, c'est la Ligue, qui centralise la vente, sachant que la centralisation a vocation à être bénéfique à la grande majorité des clubs, c'est-à-dire que si un club comme le Paris Saint-Germain, Marseille ou Lyon vendait individuellement ses droits, je pense qu'on arriverait à des montants à minima équivalents à ce qu'on a, voire supérieurs. Mais la centralisation permet de vendre mieux au profit, en tout cas, des petits clubs et d'assurer un championnat et donc un produit homogène. Donc, on est sur un système centralisé de par la loi. Mais c'est, comme ça a été évoqué, un marché fragile et on vient d'en faire l'expérience puisque avec le désengagement de Mediapro, eh ben aujourd'hui, le foot français est en très grande difficulté du fait de la dernière valorisation qu'il y a eu de ces droits-là. Et ce qui montre aussi toute la fragilité de cet écosystème. Malgré la centralisation de ces droits, les clubs sont encore propriétaire d'un certain nombre de droits autour de ce produit-là. Et vous avez, ce qu'a évoqué le dernier intervenant en France, un règlement intérieur audiovisuel qui définit bien la répartition entre ce dont on est propriétaire et qu'on ne peut exploiter parce que la vente est centralisée, et par contre, un certain nombre d'autres produits dont on est non seulement propriétaire, mais qu'on peut exploiter, du type les matchs en différé, du type tout ce qu'il y a autour de l'équipe, et ce qui n'est pas le match lui-même. Le dernier élément peut-être autour de ces droits-là, et qui sont le produit du match, sont parfois des matchs qui ne sont pas couverts par la centralisation. Je pense par exemple aux matchs amicaux qu'on commercialise, ou même si c'est en train de changer, les matchs de Ligue des Champions féminines que depuis plusieurs années ont commercialisé à titre individuel jusqu'à la finale, me semble-t-il, qui, elle, était centralisée au niveau de l'UEFA.
Voilà pour le, pour moi, ce qui est le premier droit commercial générateur de ressources important pour un club. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié à la marque. Donc pour nous, la marque Olympique Lyonnais, vous avez évoqué notre présence en Afrique. On essaie de se développer aussi sur un certain nombre de territoires. Donc j'ai parlé justement du fait qu'on a racheté un club, une franchise plutôt d'ailleurs, à Seattle de foot féminin, qui permet de développer aussi notre marque sur un autre territoire comme les États-Unis, où le foot féminin est très, très en vogue et très suivi. Mais tout ce qui est autour de la marque nous permet aussi de développer, vous l'avez évoqué, il n'y a pas de surprise, tout ce qui est partenariat ou le développement de ce qu'on appelle le merchandising. Et donc, la force de notre, la force d'une marque est importante en termes de développement de ressources. Si je prends l'exemple de clubs comme Manchester United, Real Madrid ou le Barça, c'est la grande force de ces clubs-là. Le troisième élément qui est un peu plus, donc c'est ce que j'évoquais par rapport à ce que le professeur Sacco pourrait peut-être me reprocher, parce que je ne sais pas si on peut qualifier ça de droit commercial, c'est tous les droits qu'il y a autour du contrat de travail du joueur qui ont pris une importance vraiment déterminante dans le football européen, puisque en signant un contrat de travail avec un contrat de joueur professionnel, vous êtes propriétaire d'un droit sur ce contrat-là et c'est ce qui a amené à tout le développement du système de transfert. Et pour parler de notre exemple à l'Olympique Lyonnais, même si on est propriétaire de notre stade, même si on a un modèle économique sain autour de notre stade, la partie transfert d'un point de vue économique est très importante aussi dans notre modèle économique. Et c'est ce qui fait le lien avec notre stratégie de club où on a un centre de formation très performant et qui permet aussi de rentrer dans le modèle économique lorsque l'on cède les contrats des joueurs. Donc pour moi, ça c'est un droit qui est fondamental aujourd'hui dans l'économie des clubs européens. Et je ne sais pas en effet là, avec l'impact de la crise du Covid qu'on vit tous dans le monde entier, dans quelle mesure ce droit-là va être affecté et donc va mettre en difficulté les clubs. Le contrat, il permet aussi d'acquérir les droits de ce qu'on appelle l'image collective des joueurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 5 joueurs sur une image, par le biais du contrat de travail et d'une convention collective, on revient à la clarté des règles qui a été évoquée un peu avant, on peut mettre à disposition cette image collective de partenaires de commercialiser ce droit-là. Et le dernier élément, et j'en terminerai par là, et je suis désolé si j'ai été un peu long, et j'espère pas trop long, c'est ce qu'on appelle l'image individuelle, ou alors sur un schéma comme le nôtre à Lyon, chez les garçons, on n'en est pas à faire ce que fait le Real Madrid, donc les joueurs restent propriétaires de leur image individuelle. Par contre, chez les filles, et les joueuses, dans le cadre de la signature des contrats de travail, on rachète l'image individuelle des joueuses qu'on commercialise auprès d'un certain nombre de partenaires qui sont intéressés par cette image-là. Voilà, mais je pense que ça, tous les droits qu'il y a autour du contrat du joueur, et je m'excuse de méconnaître à ce niveau-là le fonctionnement africain, mais je pense que c'est un élément important à sécuriser pour les clubs. Ce qui permet aussi d'avoir derrière potentiellement des ressources sur ces trois sujets-là et d'avoir du coup en la matière des règles claires puisqu'elles naissent d'un contrat synalagmatique entre deux personnes. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et clair et je vous remercie. Non, c'est parfait, avec le bon rythme aussi. Merci beaucoup, Vincent. Le quatrième intervenant, c'est Salem. Qu'on va écouter. Merci pour la patience, Salem. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il a une expérience beaucoup plus marquée, expérience média. Et avec Salem, on abordera en dehors des droits TV, on peut parler même des droits nouveaux liés au streaming, notamment au parrainage. On va plus globalement parler de l'expérience venue des Émirats Arabes Unis. Salem, you have the floor. Thank you, Abou Bakr again.
and elaborating on what has been said today by the panelists here, we all, I think, agree that the more advanced we are in professional football, the more complexity the issue of the rights becomes. And we all understand that TV right has been the focus for many key players like the football event organizers, the clubs, etc. And there is one new aspect that we need to take into consideration. And I think everyone is agreeing that the streaming on the internet is affecting this thing with a huge value. For example, if we see the Premier League, which has the largest broadcast rights, facing a decline. And when it was looked into the reasons of it, the main reason wasn't the pandemic, but it was the streaming affecting the value of the rights. So I think streaming is moving faster than everyone thought of. So it is a challenge that everyone needs to look into, and needs to look into the key streaming entities that are working on, because we fully agree that it is part of the future, and we need to address it in the future of any strategies. So looking into the rights and how they expanding them, I fully agree with my colleagues that at the end of the day, we are providing a product. So every time you come up with a better product, your value of those rights increase. Yes, the football players are part of it. The branding around the stadium, the usage of the VAR, these all aspects increases the value of those rights. So currently in the UAE, we are not selling the rights online or streaming entities. However, we are looking into it and looking into this option because we fully align with the future and the fans, the requirements of the fans, because as I mentioned earlier, like the product, the fans, the players, everyone is part of this product. So keeping football first and players, the key core of the principles is to find a fair middle ground to maintain our relationships in this and for having a better and a better future for the game within the region and in the world as a whole. Thank you. Merci. Merci, merci infiniment, Salem, par rapport à cette expérience. Et surtout, c'est vrai, comme on dit, on peut les appeler comme ça, ces droits nouveaux, cette nouvelle niche, un peu par rapport à ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui en Afrique, marché un peu assez sous-exploité avec le professeur, avec l'expérience de Riyad. On reparlera tout à l'heure de cette nouvelle opportunité. On parlera avec de la sécurisation également de ces droits-là. Je disais tout à l'heure que Vincent ne pourra pas rester jusqu'à la fin, mais avant de le libérer, on lui repassera la parole. Mais on voudrait également profiter de sa présence justement pour réécouter ce témoignage. Je rappelle que ce forum est parrainé par Feu Pape Diouf, occasion de rendre hommage à Pape Diouf, qui a été une personnalité qui a compté dans le football français, notamment. Avant de libérer Vincent, on va écouter ce témoignage sur Pape Diouf et on va, dans la foulée, enchaîner avec Vincent avant de le libérer. Donc, on va écouter Mamadou Koumé, qui est un éminent journaliste qui vient de prendre sa retraite, d'ailleurs, et ami de Pape Diouf. J'ai connu Pape Diouf il y a très longtemps maintenant. J'ai connu le journaliste, j'ai connu l'agent de joueur, j'ai connu le dirigeant de club, j'ai connu l'homme. Voilà, donc je peux témoigner sur les différentes dimensions de cet homme. Moi j'ai connu je vous ai dit le journaliste, j'ai une expérience avec lui parce que je l'ai connu quand il était journaliste, je l'ai connu au Cameroun. En 1985, nous avons fait un voyage depuis Paris. Et en ce moment, il était à la Marseillaise. On nous a invités ensemble
C'est un ancien footballeur camerounais, très connu dans les années 60, qu'on appelait, parce que lui aussi, il n'est plus de ce monde, paix à son âme, Eugène Dioléa, qui nous avait invités au Cameroun, parce qu'il avait envie de lancer le football professionnel en Afrique, mais il voulait commencer par son pays. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais cette rencontre de journalistes, de footballeurs, d'anciens footballeurs, d'hommes des médias, m'a permis donc de rencontrer Pape Diouf, qui était le seul Sénégalais avec moi, donc dans ce groupe de personnes venues pour cette rencontre-là. Donc, de 1985 jusqu'à la fin de ces jours, donc jusqu'à ce funeste 31 mars 2020, nos relations, nous avons créé ici au Sénégal, quand j'ai dit nous, lui c'était vraiment le bailleur de fonds, c'est lui qui a apporté les moyens. Et nous avons créé en 1991 un journal qu'on appelait du journal sportif, là. Voilà, un journal local. Il voulait aider la presse sénégalaise et il avait mis ses billes, ses moyens dans ce projet-là. C'était un excellent journaliste. Je pense que ceux qui ont travaillé avec lui à la Marseillaise ou bien au Sport, un quotidien qui avait été lancé, mais qui malheureusement aussi, et n'a pas connu une longue vie. Il avait montré toutes ses qualités de journaliste. Hein. Pape avait une plume très fine. Il faut relire les articles qu'il a rédigés, hein, que ce soit dans ce journal dont je vous parlais, le journal Le Sportif, que ce soit des articles dans Marseillaise, que ce soit dans Le Sport. C'était des articles de haute tenue, parce que Pape, c'est quelqu'un qui était très cultivé, il avait une vaste culture. Merci. Merci beaucoup. Je parlais tout à l'heure de Mamadou Koumé, ami de Pape Diouf, comme vous avez pu l'entendre. En remerciant Mamadou Diouf, bien sûr. Vincent Ponceau Pape Diouf, le président de l'OM, on va dire, même si on doit mettre des guillemets, l'ami de l'OL. Mais Pape Diouf a été un grand président, et enfin, ce que vous avez dit est très juste, un grand acteur du foot, puisqu'il a été agent, journaliste, président, et c'est un président avec lequel mon président a souvent bataillé, comme ça arrive souvent entre Lyon et Marseille. Mais il y a toujours eu énormément de respect entre les deux hommes. Et je sais que mon président a été très affecté quand M. Diouf est décédé. Et voilà, c'est quelqu'un qui a marqué le monde du foot en France. Et c'est rare. C'est, bon, ce qui montre toute la richesse de l'homme, c'est que passer du métier d'agent au métier de président, et malgré ça, vous discutez avec tous les présidents de club aujourd'hui, et c'était quelqu'un qui était très respecté. Et je pense que je ne suis pas sûr que ça a été déjà fait, et je ne suis pas sûr que ça soit à nouveau fait comme ça demain. Voilà, voilà. Je ne sais pas sur quoi. Je voulais juste, par rapport à l'intervention de M. Salem, il y a quelque chose de très important qui a été dit, c'est en fait quand il a parlé de streaming, en effet. Aujourd'hui, et là on reparle par rapport à ce que disait Monsieur Rayad, le problème de la clarté du droit, enfin de la loi autour du droit, des droits. Et aujourd'hui, les droits télé, et en France particulièrement, sont très touchés et affectés par la problématique du streaming. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet pour la protection des droits des clubs, des fédérations, des ligues. C'est un point très important. Voilà, merci beaucoup. On aurait aimé vous entendre sur les motivations de Lyon vers l'Afrique. Vous avez commencé à toucher un peu le cas. On aurait peut-être pu penser qu'il y a des velléités de rachat, comme ça s'est fait aux États-Unis, mais vous nous avez assuré que non. Avant de vous laisser, permettez quand même de poser cette question. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en Afrique finalement? En fait, on n'est pas venu chercher quelque chose en particulier. Ça a été l'histoire, comme c'est souvent le cas en football, ça a été l'histoire d'une rencontre plutôt avec
Mathieu Chupin, le président de Dakar Sacré-Cœur. Et après, il y avait eu un élément qui nous, enfin, en tout cas moi, m'avait particulièrement marqué, c'est que on a eu quelques jeunes joueurs africains qui sont venus à Lyon. Et on a un joueur qui était très prometteur, qui ne s'était pas du tout adapté. Et on ne s'en était pas forcément rendu compte. Et du coup, on s'était dit que si jamais on devait reproduire ce type de recrutement, eh ben, il fallait assurer une meilleure continuité. Et donc, le fait que si un joueur de Dakar Sacré-Cœur, donc on est, il y a un deuxième joueur là, de Dakar Sacré-Cœur qui a rejoint Lyon, il est venu quelquefois laisser avant. Il y a des liens préalables plus importants qui sont faits et on pense que c'est meilleur pour l'adaptation du joueur. Mais encore une fois, parce qu'on n'est pas du tout dans le schéma, vous l'avez évoqué, de racheter un club ou ce qu'on entend parfois, et peut-être qu'il y a le cas avec d'autres clubs, nous, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On a vraiment eu le souhait d'accompagner le projet de Mathieu Chupin, Dakar Sacré-Cœur. Et si des joueurs de Dakar Sacré-Cœur nous rejoignent, tant mieux. Mais ça n'a pas été, ça n'a pas été le leitmotiv de départ. Voilà. Écoutez, merci infiniment. Ben, si vous avez encore quelques minutes, vous restez avec nous. Merci. Merci infiniment. On va écouter le professeur Sacco parce que il avait commencé à parler dans sa note introductive de tout temps d'une problématique assez large qui entoure tous ces droits. Puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, professeur, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment vous laisser aborder de façon, vous avez l'habitude de le faire, cette question de sécurisation des droits. On en parle beaucoup, il y a toujours des problèmes. On l'a évoqué tout à l'heure, Riyad l'a évoqué. Une chose est de signer des contrats, une autre est justement peut-être de faire respecter ces contrats. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait que ça ne marche pas toujours? On a toujours l'impression qu'on redécouvre les droits à l'occasion des Coupes d'Afrique des Nations, à l'occasion de la Coupe du Monde. Il y a toujours ce débat sans fin. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire finalement, professeur? Merci, Abou Bakri. Je voudrais d'abord féliciter les différents intervenants parce que franchement, c'est de très haut niveau. J'ai beaucoup apprécié que ce soit l'ouverture de son Excellence Salim vers le streaming, que ce soit l'explication qu'a donnée Riyad également sur les droits marketing, et enfin la prise de parole de monsieur le directeur général de l'OL sur beaucoup de points d'ailleurs que je partage globalement. Et en particulier, je voudrais, et ça rejoint d'ailleurs ta question, il appelle presque à une ingénierie autour de ces contrats, autour de ces droits. Il faudrait qu'il y ait de la compétence autour de ces droits pour que ce soit sécurisé. Si on n'a pas de compétence, si on n'a pas de gens qui maîtrisent, je vous assure que tout va nous échapper. Abou, un seul exemple, et peut-être son Excellence ne va pas me démentir là-dessus, tout le monde connaît, ce n'est pas le football, tout le monde connaît cette fameuse course mécanique qui se déroule un peu partout dans le monde, qui change de lieu et qui s'appelle le Dakar. Dakar, c'est le nom de la capitale sénégalaise. Est-ce que Dakar bénéficie de l'utilisation de son nom? J'avoue que je ne sais pas. La course, au départ, elle s'appelait Paris-Dakar, du temps de Thierry Sabine. Paris a dû certainement dire, si vous utilisez mon nom, vous me payez. Nous, on a laissé Dakar, et c'est devenu le Dakar. Ça ne se déroule plus sur le continent. C'était parti en Amérique latine, et maintenant, c'est ici. Donc, il faut, pour pouvoir, comme vous le dites, sécuriser, il faut bien connaître. Et bien connaître, c'est quoi? Je dis de l'ingénierie, et je reviens là-dessus. C'est de la compétence qu'il faut. Et cela, on ne peut l'avoir que par le biais de la formation. Des gens qui pourraient s'intéresser à ces questions-là. J'ai vécu, et je suis même intervenu sur la question des droits de retransmission de la CAN il y a quelques années. Quand, par quelle magie, je ne sais pas, on s'organisait pour que la CAF, au lieu de vendre elle-même ses droits,
elle passait par un intermédiaire qui était le groupe Lagardère. Ce groupe Lagardère prenait ses droits, les revendait à nos différents États à des prix faramineux. Et les États ne pouvaient plus s'en sortir. Quand vous avez le Sénégal qui est qualifié pour aller à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, pour que les Sénégalais puissent voir, il fallait débourser et donner au groupe Lagardère de l'argent pour que nous puissions voir. Ça a même fait l'objet, je vous le dis ça, ça a même fait l'objet d'une vidéo que le président Macky Sall avait faite à l'occasion d'une rencontre de l'Union africaine de radio-télévision pour dire « ça suffit ». Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour faire changer cela. Donc, la sécurisation des droits, elle passe d'abord par la formation à vous, par le fait que l'on puisse connaître. Deuxièmement, quelque chose que Vincent a soulevé, c'est la question des actifs, les droits de contrat. C'est du droit du travail, mais si vous le prenez, on comptabilise les contrats de travail des joueurs du point de vue actif. C'est devenu cela, c'est des actifs de l'entreprise. Et ça permet également de financer. C'est pour ça que j'avais terminé en disant que ce soit d'ailleurs le streaming, que ce soit les nouvelles formes pour lesquelles on regarde les activités sportives, il faudrait que nous, en Afrique, on ait les moyens de les maîtriser. Et pour les maîtriser, il faut qu'on se forme. Sinon, on va appeler d'autres personnes qui vont le faire, qui peut-être maîtriseront mieux que nous et qui pourront s'en sortir. Mieux que nous. Je crois qu'il faudrait qu'on s'organise pour, comme il a dit également, je reviens sur cela, Vincent, quand il disait que vendre un événement sportif, c'est de l'histoire. Nos championnats, on a du mal à les vendre, les championnats qu'il y a dans nos pays. Parce que ça n'a pas d'histoire. Ça commence quand? On ne sait pas. Ça finit quand? On ne sait pas. Quels sont les derbys? On ne sait pas. Quelles sont les dates des derbys? On ne sait pas. Tout cela demande vraiment encore une fois, et c'est pour ça, vous avez raison, et sur ce plan-là, je vous rejoins, il faudrait que la nouvelle CAF ou le nouveau président de la CAF tout s'organise autour de ces questions et mette des gens qui sont compétents pour que enfin, l'Afrique qui a du talent à revendre au niveau des compétitions puisse également bénéficier et faire bénéficier au continent de retomber de ces talents-là par le biais de ces droits sur les marques, sur l'image, sur la télévision. Voilà un peu ce que je voulais dire en vous disant encore une fois, vraiment merci de m'avoir permis de m'exprimer. J'ai été très content de vous avoir écouté, Riyad particulièrement, Vincent et puis son Excellence Salim. Merci. Merci beaucoup, professeur, même si on entend l'heure de la prière derrière. C'est pas grave, on a compris qu'on est à Dakar. Merci avec également des réactions de toutes ces personnes qui sont connectées. Il n'y a pas de nom, c'est des numéros. Je pense que nos fédérations négligent beaucoup le côté technologie de l'information et de la communication, le numérique plus précisément, surtout le problème du streaming et consorts pour rejoindre ce que l'honorable Salim disait tout à l'heure en ce qui concerne cet aspect très, très important. La sécurisation qui doit passer par la formation, on l'a compris, c'est important. Tous ces tiraillements, ces problèmes de droit, on trouve leur terrain de prédilection dans l'Afrique du Nord, notamment. Histoire de reparler avec Riyad, on sait que les combats là-bas, les batailles sont vraiment épiques à l'occasion des grands événements. Mais on avait promis tout à l'heure de vous écouter précisément sur le modèle algérien en termes de sponsoring. Aujourd'hui, ce n'est pas que sur ce panel, sur d'autres, on a souvent entendu parler du modèle algérien comme étant une réussite. Quels ont été finalement, pour vous, Riyad, les ressorts sur lesquels vous vous êtes appuyé justement pour asseoir ce modèle dit algérien aujourd'hui en termes de sponsoring? Le temps pressant, je vais rentrer directement dans le sujet, même si j'aurais beaucoup... Oui, il nous reste une quinzaine de minutes. J'aurais aimé rebondir aussi sur toutes les choses intéressantes qui ont été dites, passionnantes même, et qui se complètent ou qui s'enrichissent. Alors, je ne sais pas si on parle d'un modèle algérien. Ben, en tout cas, ici, on n'en parle pas. C'est peut-être aussi intéressant à noter. Effectivement, en tout cas, si je prends quelques chiffres, même si les choses fluctuent, il y a des périodes plus ou moins... Nous avons pris la Fédération algérienne lorsqu'elle faisait quelque chose comme 100 000 euros de revenus annuels, dont une grande partie, c'était des téléphones ou des lignes téléphoniques ou des choses comme ça. Du troc, on va dire.
Et au bout de quelques années, c'est arrivé à peu près à 20 millions ou 30 millions de dollars. Hors droits de diffusion, je parle, puisque les droits de diffusion ne sont pas concernés par ces droits de diffusion. Alors, comment on a pu faire à part la chance des résultats sportifs, et puis on peut toujours dire que les résultats sportifs dépendent aussi des revenus. Il y a quand même, plus on a des moyens d'avoir des techniciens, d'avoir des conditions favorables pour le travail, plus cela peut influer sur les résultats sportifs. Nous, venant du marketing, on s'est aperçu que que nous avions, et ça, c'est pareil à beaucoup d'Afrique, une grande passion pour le football. Ça, c'était quelque chose qui est positif et négatif, puisqu'on n'a pas une grande passion pour beaucoup de sports. Mais par contre, la passion pour le football est très forte. Donc, on s'est appuyé sur des études avec des cabinets internationaux dans le but de convaincre nos sponsors qui étaient des sponsors internationaux. Je veux dire, Coca, c'est notre plus vieux sponsor aujourd'hui. Donc, nous avons utilisé les méthodes du marketing classique et de classer ces marques. Et d'ailleurs, nous avons les marques de toutes les franchises ou tous les championnats. Nous savons où est l'OL, par exemple, par rapport à d'autres clubs. Et nous savons que le développement d'une marque, il y a différents segments locaux, mais il y a toujours le développement international. Et c'est ce que font les grands clubs. En parenthèse, on sait bien que, par exemple, Chelsea, on donne souvent cet exemple, vend plus de maillots en Chine qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours des possibilités de développement. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est déjà de sécuriser les marques. En France, si je dis 1-2-3 à l'Algérie, les gens connaissent cette marque. Ils l'entendent. Ils ne savent peut-être pas qu'elle a été protégée. C'est-à-dire que nous avons été à l'Institut de la propriété industrielle et nous l'avons protégée. Les Fennec, on a des trucs. On a protégé les guerriers du désert, mais on ne voulait pas l'utiliser parce que c'est un peu agressif. Mais voilà, on l'a protégé pour que d'autres ne l'utilisent pas. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque l'équipe gagnait, tout le monde revendiquait ce succès de bonne foi, c'est-à-dire par, entre guillemets, patriotisme. Mais le problème, c'est que nous souhaitions avoir des marques et faire des contrats avec des entreprises en leur disant, vous avez l'exclusivité sur un périmètre. Et à un moment, il fallait bien matérialiser les choses. Puisque cette passion, il faut la matérialiser. On a le problème de l'embûche marketing et on essaie d'avoir le maximum de protection. Donc, nous protégeons nos marques, notre image collective. Bien entendu, nous ne vendons que de l'image collective. Et ce qui a été fait, c'était ça. C'était lorsque nous parlions à une société, que nous accordions une exclusivité, elle avait de la valeur. Et après, on activait ça au niveau des cours de loi. Une première victime, c'était une pauvre entreprise qui faisait du lait en poudre, je me rappelle, qui avait dit « on est tous avec l'équipe nationale » et on les attaquait en justice et on a gagné. Et au-delà de ça, on a utilisé aussi le levier des médias, puisque parfois il faut raconter une histoire. Et on a demandé une somme faramineuse, mais vraiment, on va dire, outrancière même. On a demandé énormément d'argent comme dommages et intérêts qu'on n'a jamais eu. Mais on a communiqué autour de ça pour dire non, c'est sérieux, cela a une valeur. Et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, mais écoutez, mais moi, j'aime cette équipe, c'est mon pays. On dit oui. Mais nous, on en vit et on a besoin de faire en sorte que les exclusivités soient. Si on dit sponsor, et qu'on paye pour avoir le droit de sponsor, ça doit être exclusif. Allez, encore 30 secondes. Bien entendu. Oui, parce que là, voilà. Après, c'est vraiment les méthodes du marketing. Et on sortait un peu de notre domaine avec le droit, ça veut dire de protéger les choses et de leur donner quelque chose qui soit convertible en du cash, tout simplement. Donc, les techniques du marketing, donner la valeur des marques, c'est-à-dire de dire que notre marque était… les Algériens suivaient beaucoup les matchs, enfin, tout ce qu'on peut avoir grâce aux études. Ensuite aussi… donc, c'est un peu ça qui a fait le succès et faire le levier sur la concurrence. Vous voyez qu'il existe bien un modèle algérien qui marche. C'est aussi parce que voilà, il y a les résultats qui sont là. Je ne sais pas entre l'œuf et la poule, je ne sais pas qui est l'œuf, qui est la poule. En tout cas, c'est d'avoir des systèmes vertueux où l'argent, monsieur le professeur Sacco en parlait, l'argent du football, alors qu'il y a des intermédiaires qui gagnent leur vie, c'est tout à fait normal, mais que quand même. Un cercle vertueux comme je ne sais pas l'argent du foot que ça irrigue au maximum ceux qui merci beaucoup Vincent nous a fait
l'amitié de rester avec nous jusqu'à maintenant. Il devait partir 20 minutes avant, mais bon, puisqu'il est encore là et qu'on risque de ne pas le retrouver, on va quand même lui permettre de dire au revoir. Vincent. Merci beaucoup, et puis je remercie tout le monde aussi. C'est très, toujours très intéressant d'entendre des interventions de ce type, et encore plus quand on est sur des schémas peut-être différents à ce qu'on pratique tous les jours. Donc, merci à tout le monde, et puis je vous souhaite une bonne conférence et une bonne après-midi. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. La parole à l'honorable Salem, qui va, pour terminer, hein, parce que là, on est vraiment sur la fin. Il y a cet aspect vraiment du streaming qui fait beaucoup, beaucoup réagir. Hein. On a vu sur le panel avec toutes les personnes qui nous ont suivis. En termes, docteur, vous avez parlé beaucoup de streaming. On pouvait avoir au moins quand même quelques mots sur le parrainage, parce que c'est une pratique qui n'est pas très, très développée sous nos cieux de cette partie, sur le continent en tout cas. Un mot rapide, si vous voulez bien, sur le parrainage, sur le principe et le fonctionnement de par votre expérience. Of course, elaborating on what Mr. Riyad, the professor, was mentioning earlier, the sponsorship that model that's working currently in the UAE, throughout the UAFA. As you might be aware, that the main league is operated by the UAE Pro League. So we have a different entity which is under the UAFA in order for the UAFA to focus more on the regulatory side. So when it comes to the sponsorship part of the throughout the UAFA, we have the television rights to local broadcasters for a couple of competitions with. Where are they under the UAFA directly? And we get, going back to the common ground that I mentioned, we get a value or a chunk of the money from the UAE Pro League, which they have to pay based on, from the sponsorship that they get. And the main sponsors, we have also the partner rights, which pays for the UAFA on a yearly basis. And the some kind partnerships also that we have, which is, for example, with the airlines that we get free tickets for the national team. So at the end of the day, like an agreement should be there, a legal agreement, a gentleman agreement, but there should be basis of those agreements and the clear agreements between the sponsorships and what the expectations the FA or the Pro League should expect. So we usually say that we are all together in this game, so different stakeholders, promoting it from the marketing side, from the technical side. So looking into those aspects, the partnerships model is a key player, a key aspect in developing the game in UAE. So we take this into consideration and we always try to develop this agreements to be clear for all parties within the football association. Voilà. Thank you. Merci, merci, merci beaucoup, honorable Salem Ali Al-Samsi depuis les Émirats Arabes Unis. Nous avons encore quelques minutes. Rappeler à tous les participants qu'il y a encore cette possibilité, une dizaine de minutes pour poser des questions en cliquant sur l'icône questions et réponses. On essaiera de prendre en compte, en charge, certaines questions qui viennent de tomber. Et cette question, je rejoins ce que le professeur Sako disait tout à l'heure, par la question de la nécessité de la formation, un message de Haroun Adem. L'Afrique ne souffre-t-elle pas de la faiblesse de ses dirigeants dans la gestion du droit de télé parce qu'ils ne savent pas négocier et ne s'entourent pas des bonnes compétences? Ça rejoint, professeur, ce que vous disiez tout à l'heure. Je voudrais juste rajouter un petit témoignage parce que je vous lis un tout petit peu dans cette question d'achat de droits, etc. Et il y a énormément de problèmes, énormément d'incompréhension parce que tout simplement, la plupart du temps, les décédeurs ne connaissent même pas leur droit. Avant de vendre quelque chose, il faut peut-être le connaître. Le professeur, on reparle de la connaissance et de la formation, tout simplement.
Vous avez raison, et je crois que ça provient de là-bas. Mais j'ai comme l'impression, j'ai discuté un peu avec l'équipe de l'UAR actuelle, je crois qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Et par le biais, je me demande bien, peut-être que vous avez suivi ça à l'époque, par le biais d'une conférence qu'ils ont organisée au Rwanda, et je crois que c'est Kagame, le président Kagame lui-même, qui est intervenu pour faire comprendre que lui ne comprend pas pourquoi l'Afrique doit vendre, quand elle doit vendre ses droits privés, elle doit passer par air. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a remis les droits à l'Union africaine des radios-télévisions, qui est dirigée par votre confrère, qui s'appelle, je crois, un Camerounais, qui est là-bas et qui essaie de faire ce qu'il faut. Ils essaient. Grégoire. Voilà, Grégoire, voilà, c'est lui. Ils essaient de faire ce qu'il faut. Ce n'est pas très facile, c'est vrai. Les anciennes équipes n'avaient pas les compétences nécessaires. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison parce qu'on fait beaucoup de formations, on arrive à faire comprendre les enjeux. Mais mieux, au lieu de continuer à demander à nos États de financer cette activité, qui est une activité, je reviens à ce que je disais au tout début, qui est pour moi l'une des activités économiques les plus dynamiques dans le monde d'aujourd'hui, c'est le sport. Et dans le sport, c'est le football. Ce que Riyad disait tout à l'heure sur la manière dont ils ont presque triplé ou démultiplié en tout cas les revenus de l'Algérie autour de l'équipe nationale, l'équipe du Sénégal est en train de le faire aujourd'hui. Pas peut-être du point de vue marketing, mais par le biais juste des gains qu'il a dans les compétitions. Ce que l'équipe de football du Sénégal réussit à donner, à mettre dans les caisses de la fédération elle-même n'y arrive pas. Alors qu'elle aurait pu, par le biais de la stratégie marketing, comme disait Ria tout à l'heure, démultiplier également cette somme-là. Donc, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir arriver à cela. Vendre le football africain, c'est mon avis, ça ne doit pas être très, très difficile parce que le talent est là. Il suffit juste de pouvoir organiser. Bon, je parle, je suis dans un fauteuil, c'est facile, c'est vrai. Mais il faudrait qu'on puisse quand même amener les décideurs, aussi bien politiques que sportifs, à se mettre quelque part et à dire nous voulons faire en sorte que notre jeunesse puisse vivre de cette passion-là, en faire un métier. Et c'est ce qui m'a amené, moi, personnellement, à créer cette formation que je fais aujourd'hui à Dakar. Je voudrais que les passions que nous avons, ce soit des métiers et qu'on puisse en vivre. Voilà un peu ce que je voulais dire à Abou Bakri. On te remercie encore une fois pour la pertinence. De toute façon, on te connaît sur ce plan-là. Merci. Merci. Merci infiniment, professeur. Encore juste un petit moment pour refaire le tour, repasser par Riyad, qui nous a beaucoup parlé de l'expérience algérienne. Riyad, c'est important, je me permets d'insister sur ce côté-là, le côté formation. Encore une fois, quel est votre sentiment là-dessus et qu'est-ce que vous faites justement ou que vous avez fait dans ce domaine? Ça relève finalement de la bonne gouvernance du sport. Oui, alors nous avions la chance d'avoir des gens à la fédération qui avaient une expérience dans les organisations internationales et qui connaissaient le modèle. L'histoire des intermédiaires et de l'Afrique, alors c'est vrai que c'est mobiliser, être capable d'offrir à un diffuseur une offre sur 50 pays d'Afrique, être capable de garantir que les matchs seront diffusés avec la bonne qualité. Vous voyez, rien que l'organisation de notre petit séminaire, ça demande beaucoup de talent, beaucoup de gens qu'on ne voit pas et que je remercie au passage d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être capable aussi de pouvoir packager. Dans notre région, c'est acheté par beIN Sport. Donc, effectivement, on se retrouve avec des choses qui sont parfois incompréhensibles, c'est-à-dire pourquoi l'Algérie doit acheter son match et puis voilà. Mais ce sont des réalités économiques, ce sont des choses. Il y a une directive européenne qui fait que ce qu'on appelle le grand spectacle en Europe, il faut qu'il puisse être vu sur une chaîne gratuite. Donc, il y a beaucoup de choses. Pour revenir vraiment à cette dernière question, écoutez, nous, en tout cas moi personnellement, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir accès à Internet et d'avoir accès donc à tous les règlements. Vous savez, c'est extraordinaire comme outil. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris parce qu'il y avait des comptes rendus d'un conseil de la concurrence sur des conflits, sur des choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la compétence, on l'a peut-être pas forcément dans les instituts. Nous avons très peu d'instituts en Afrique, je pense, qui forment à ces métiers. Alors après, il faut susciter la curiosité, puis apprendre. Le droit, c'est quelque chose qui évolue constamment. Donc, je dirais que c'est très technique. Il faut, en même temps,
il y a de la jurisprudence, on apprend des fois par des erreurs, on apprend par des conflits. Donc ça, c'est très, très important. Je m'excuse. C'est très, très important d'avoir des… Alors, il faut donner les moyens. Ça veut dire que si vous n'avez pas des gens qui sont suffisamment payés pour faire tout simplement cette partie d'études, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire qui se transmet par les moyens d'Internet ou autre. Il faut avoir le temps de prendre en compte ce savoir-faire. Moi, je peux vous dire que j'ai appris beaucoup avec les règlements de tel club. On rentre dans la dernière minute. S'inspirer. Donc voilà, je dirais que peut-être une bonne adéquation entre nos universités forment énormément d'étudiants en Afrique et les États font des sacrifices. Alors peut-être que ce sont des branches sur lesquelles qui offriraient des débouchés certains et sur lesquelles il faudrait plus de passerelles entre l'université, la recherche et les praticiens. C'est parfait. C'est, merci, merci infiniment. On va remercier tout le monde. On aurait pu prendre encore quelques questions dans le panel questions-réponses, questions de Maureen Rosita Ojong. Je pense qu'on l'a pris en compte, hein, la question de la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, qui elle estime que est une belle opportunité. Je pense que le professeur Sako avait abordé cette question de responsabilité sociétale. Pierre-Michel Zangbe également, qui parle de la faiblesse des droits obtenus après négociation, qui reste insignifiant tout simplement parce qu'ils n'offrent pas toujours des produits forcément de grande valeur. On avait également parlé de ces droits de valorisation du produit également. Il parle de formation, de gouvernance. Je pense que finalement, on a tenu compte de tous ces toutes ces questions. En vous remerciant véritablement, on voudrait peut-être retenir des choses essentielles de part et d'autre. Aujourd'hui, dans la foulée du professeur de son excellence Salem Ali Al-Samsi, qu'on remercie beaucoup, qui a évoqué l'opportunité d'ouvrir ce qu'on pourrait appeler de nouveaux marchés vers le streaming, notamment le professeur Sako, qui a beaucoup insisté sur cet aspect des droits, mais de la formation pour arriver justement à non seulement la reconnaissance de ces droits, leur exploitation et leur sécurisation en fin de compte. L'exemple algérien en termes, on l'a rappelé encore une fois, de sponsoring, dans ce dynamisme qu'il existe aujourd'hui du côté de ce côté-là, également une très belle expérience à tenir compte pour arriver justement à installer ce marché, parce que quelqu'un a évolué la question de la faiblesse du marché, la reconnaissance du marché d'abord, son cadrage juridique et puis son exploitation. En vous remerciant infiniment tous, ce qu'on va essayer de faire, on va prendre la photo de famille et on exige un sourire. Allez, on va rester quelques instants devant son objectif avec un joli sourire. Moi, j'enlève mon casque parce que je suis plus beau sans. Ça me fait des oreilles. Alors, Abou si Bakri. Vous êtes Abou Bakri. Allez, tout le monde, regarde l'objectif, le sourire. One smile, please, Salem. Et c'est parfait. Allez. Parfait, je pense que tout le monde est là par rapport à cette photo de famille. Merci beaucoup, merci à tous, merci à Salem Ali Samsi des Émirats Arabes Unis, à Riyad Aït Aoudia d'Algérie, au professeur Abdoulaye Sako du Sénégal, à Vincent Pinceau de la France qui était parmi nous. Merci à toute l'équipe d'organisation. Merci à Djamil. On ne va pas arrêter de remercier. Merci à tous et à bientôt. Merci à vous. Donc, ne vous déconnectez pas. L'aventure continue. Demain, nous allons également. Nous allons continuer. Je ne sais pas si c'est Djamil qui parle, mais le son n'est pas clair. Ouais, allez-y, là maintenant, c'est bon. Monsieur Sam.
Ah, c'est Monsieur Sam. Justement, à vous remercier à vous, ça a été vraiment moi-même. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous et aux intervenants de votre panel. Je pense que l'Afrique du football vous a bien entendu. Juste donner rendez-vous à tout le monde qui nous suit donc justement sur les trois ou quatre continents. Demain, on remet ça à 12h GMT, donc un thème sur la gestion de la performance du football. Bien sûr, avec des invités de marque. Donc, pensez à vous connecter à temps et à heure. Alors, on avait besoin de vous garder, vous, les panélistes, juste 5 petites minutes pour une conférence de presse. Est-ce que ce serait exagéré que vous répondiez à 2-3 questions des journalistes, s'il vous plaît? Ou bien à Djamil qui va. C'est un grand plaisir pour moi, en tout cas. Allez-y, monsieur Sombre. Je vais appeler les journalistes. Mr. Salim, please just 2 more minutes for the press guys, you know. Okay, for sure. That's it. No worries. No worries. We'll be. Nous avons donné un lien de connexion pour les interviews. C'est un autre lien. Ou bien on reste ici? Ils ont donné un lien de connexion là. On reste ici. Hein. Ça s'est bien passé. Ah bon? Ah, attends. Okay, merci beaucoup d'être resté pour la conférence de presse. Ma première question, je vais l'adresser au professeur. Professeur. Je ne vous entends pas bien, hein. Monsieur Sam, c'est lui qui m'héberge, mais il est entré avec sa machine et on a de l'interférence entre les deux. Je vous écoute. Voilà, je l'ai viré. Je suis hébergé par Diapo ce matin, donc je vous écoute. Ma question est de savoir quelle est la fonction. Je suis désolé, monsieur, mais je ne vous entends pas bien, c'est saccadé, ça ne passe pas. La bande passante du réseau d'Africa Football est faible. Ils ont pris. D'accord. Donc, je continue avec M. Riyad en attendant que la connexion se stable. D'accord. OK, M. Riyad, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que... OK. Ne pensez-vous pas que le streaming peut tuer les droits de télé? Je suis désolé. Monsieur, je n'ai pas bien entendu la question. Africa, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? OK. Bon, ma question est de savoir si vous ne pensez pas que le streaming peut tuer les droits de diffusion télé. Alors, le streaming illégal, puisque on parle de celui-là, on ne parle pas du streaming légal. Alors, le streaming, oui, illégal, il peut le tuer, bien entendu, parce que qui va acheter, surtout, un produit payant lorsqu'on peut le trouver gratuit impunément, puisqu'il y a très peu de risques aujourd'hui lorsque vous regardez ça. Alors, je dirais que la solution au streaming illégal, ce serait le streaming légal. Ça veut dire que les grands acteurs des médias ou de la technologie, ce qu'on appelle les GAFA, ils commencent d'ailleurs à s'intéresser, mais pas assez, je dirais, puissent apporter une solution qui ferait des revenus supplémentaires. Mais bien entendu, si vous avez un magasin et que tout le monde peut venir se servir et sans payer, votre magasin, il ne va pas durer longtemps. Vous êtes d'accord avec moi? Okay, je vais enchaîner avec vous avec une nouvelle question. Aujourd'hui, vous pouvez nous mesurer l'impact de la COVID-19 sur les clubs africains du point de vue marketing? L'impact de la COVID-19.
Alors, au niveau des clubs africains. Écoutez, oui, nous avons. Alors, économiquement, je ne saurais pas je sais qu'il y avait un travail qui a été fait par le Forum des Ligues mondiales. Le Forum des Ligues mondiales avait mis en place une équipe qui tout simplement échangeait les informations. Et on a pu voir, du coup, la situation des ligues mondiales, enfin des ligues africaines, qui pouvaient jouer, qui pouvaient ne pas jouer. Mais vous savez, j'ai entendu quelque chose d'étonnant. On a un investisseur, nous, ici, à qui on a demandé d'investir beaucoup et d'acheter un club, et nous expliquer qu'il perdait moins d'argent, tellement la situation était compliquée, qu'il perdait moins d'argent quand il ne jouait pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi, mais c'était un peu le cas. Globalement, bien entendu, si une équipe ne joue pas, les recettes de billetterie, je dirais, en Afrique, il me semble qu'elles sont faibles. Bien entendu, si vous n'avez pas de revenus, les effets sont catastrophiques. Paradoxalement, le fait qu'en Afrique, peut-être que l'État soutient tout cet écosystème, bah peut-être que l'effet du Covid, il est moins dramatique qu'ailleurs. Mais c'est pour les mauvaises raisons. C'est parce que les revenus du marché sont faibles. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci beaucoup. Je vais renseigner avec Moussa Salem. Yes, hi, but the translator is not on. I can't hear the interpretation. Okay, I will translate. No, no, sorry. Okay. I will translate la question. Okay, my question is that si pense que. Okay, Moussa Salem. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'Afrique a les ressources pour tirer profit du streaming? Mr. Salem, do you think that Africa, from what you know from Africa, do we have the resources to make advantage of streaming? Or how can we take advantage of streaming in Africa? Well, I think one of the panelists today has mentioned that if we don't have the resources or the right foundation, it's always good to benchmark and to learn from what's happening around. So through collaboration, through maybe getting some investment or through different kind of resources, I would say, it could happen, yes. But it needs to be worked closely with different stakeholders that are in the rights of this game. And as we all know that some countries have political aspects affecting the game itself. So they should reach to a middle ground in order to organize all those rights, especially the streaming. But the streaming would be a bit more difficult than the usual rights that TV or radio would happen, because we can see that no one could stop the internet from spreading so fast. So answering your question, yes, it could happen. And with the right resources, with the right foundation, I'm pretty sure that Africa could reach its goal. Thank you very much. Your answer is very clear. Thank you. Thank you. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur la conférence Africa Football? He would like to know what do you think of this initiative of Africa Football and how we can bridge between Africa and maybe Asia or the Middle East. What's your opinion on this conference initiative? Well, always those kind of initiatives are a way of building bridges and learning from each other, because at the end of the day, everyone knows how the talents are in Africa and how the good players, the good games, the good teams that are playing in Africa. So learning from each other, learning from different aspects, those kind of conferences always are the fundamental of those relationships. And we as in UAEFA, we are very keen in building those relationships with different entities. And we are very keen on hosting different countries and different FAs in order to benchmark and to learn. So those kind of initiatives like the football and the events that's happening, we always like to participate and be part of this events in order to listen to different aspects of the game. Because at the end of the day, the football is a game that unites, and all of us speaks different languages, but when we play football, it is the common ground that we all like to use.
I'm losing the sound. Prof, vous êtes avec nous? Je suis là, bien là. Oui, je suis là, je suis là. On aimerait juste savoir la contribution du groupe Edge par rapport à la législation du football africain, au Sénégal en particulier. Oui, le groupe Edge, comme vous dites, c'est une structure de formation d'enseignement supérieur qui vise l'économie, le droit, la gestion. C'est pour ça qu'on dit EDGE, École de droit, d'économie et de gestion. Mais EDGE aussi signifie la limite des connaissances. Il faut aller jusqu'au bout des connaissances. En fait, c'est un peu cela, EDGE. Alors, on ne fait pas que du sport, d'ailleurs. Moi, je m'intéresse à beaucoup de choses, régulation, compliance, arbitrage. Toutes ces questions, il y a des formations là-dessus. Mais sur le sport, ça ne date pas de maintenant. Comme je disais, c'était personnel dans un premier temps. À l'Université Charente Diop, j'ai créé le master en droit et économie du sport il y a quelques années. Et lors de cette première promotion, d'ailleurs, de ce master, on a eu, à l'époque, Pape Diouf était président de l'OM et on l'a invité. Il avait fait une très bonne conférence à l'Université Charente Diop, dans la grande salle, et il avait parlé de la gestion d'un club sportif. Ceci dit, le travail que nous faisons, EDGE, est adossé à un centre de recherche qui est un think tank, un des plus influents en Afrique de l'Ouest, qui s'appelle le CRES, Consortium pour la Recherche Économique et Sociale. Avec le CRES, nous arrivons à faire de la publication. Nous publions beaucoup de choses. Et sur ce plan-là, par exemple, un des premiers ouvrages qu'on a publié sur le football au Sénégal, ça date de 2006. Et ça s'appelle « 11 éléments pour comprendre la gestion du football sénégalais ». C'était 2006. Ensuite, juste avant la Coupe du Monde de 2010, on a sorti un livre qu'on a intitulé les grands défis du football africain, et c'est justement Pape Diouf qui avait publié cela. Voilà, en gros. C'est... Merci beaucoup, prof. On enchaîne avec Abou Bakri. On aimerait recueillir votre impression par rapport à la pertinence de ce thème. C'est un thème d'actualité. Bon, merci pour la question. Je ne pensais pas que je faisais partie de la conférence. Non, mais c'est un thème d'importance. Vous avez entendu, parce que finalement, tout part et tout revient à ces histoires de droits et d'interprétation des droits. Je parlais tout à l'heure de mon expérience. Moi, je suis passé un tout petit peu, on va dire, de l'autre côté. Et je me suis dit quelque part qu'on a perdu énormément de temps, peut-être même nous, journalistes, ne nous intéressait pas d'emblée à ces questions de droit. Le professeur Sarro a parlé tout à l'heure d'une actualité qui est devenue quasiment un marronnier pour nous. À chaque fois qu'il y a une compétition, c'est les mêmes questions: qui doit vendre, c'est cher, qui doit acheter. Mais je pense qu'il y a des préalables qu'on a oubliés aujourd'hui en Afrique. Je ne suis pas panéliste, mais je voudrais peut-être quand même soulever cette question maintenant en tant que quelque part, on va dire, responsable d'un média. C'est la vente et la ventilation des droits TV en Afrique. Aujourd'hui, je pense que on copie des modèles qui ne sont pas adaptés à l'Afrique. Aujourd'hui, par exemple, prenons un exemple, des compétitions de la CAF. Ça va être peut-être un peu paraître ridicule pour Riyad, les sommes que je vais donner. Aujourd'hui, on demande à une télévision africaine, télévision nationale africaine, de payer 1 700 000 euros pour avoir la CAN. 1 700 000 euros pour avoir cette compétition de la CAN. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il n'y a pas que la CAN qu'ils achètent. Ils achètent toutes les compétitions de la CAF. Sur 2 ans, ça représente un total de 268 matchs. Il n'existe pas une seule télévision publique en Afrique qui peut consommer 268 matchs. Ce n'est pas possible. Avec tous les impératifs, le journal télévisé, les activités du chef de l'État, etc. Et moi, j'avais applaudi de deux mains l'arrivée de l'UAR,
parce que le professeur Sakho en parle. Mais je pense que la faiblesse aujourd'hui de l'IAR et de la politique de commercialisation de l'IAR, c'est d'avoir privilégié les télévisions publiques. Aujourd'hui, ce sont les télévisions nationales. Ils ne peuvent pas consommer ces droits. Ce que j'avais et ce que j'essaie de faire comprendre à l'UAR, mais plus principalement à la CAF, qui a le droit de commercialiser ses propres matchs, c'est d'essayer de voir aujourd'hui, ils ont besoin de 1 700 000 par pays. Au lieu de dire on a besoin de 1 700 000 par diffuseur, il faut dire on a besoin de 1 700 000 par pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si la télévision nationale, et c'est légitime, peut consommer les droits, les matchs liés à l'équipe nationale, ils vont payer une somme. Mettons 800 000 euros. Et il y a toute une série de télévisions privées qui peuvent, les uns peuvent payer 100 000, les autres payer 200 000, les autres 300 000, jusqu'à concurrence 10 700 000. Ce qui fait, un, toutes les compétitions de la CAF seront vues dans ce pays-là. Et deuxièmement, les télévisions nationales qui n'ont pas cet argent ne vont pas se saigner à blanc. Et du coup, les télévisions privées également vont avoir accès à ce marché des droits. Donc, quelque part, il y a une réflexion aujourd'hui à poser. L'ancien modèle où on était l'Afrique, chaque pays avait une seule chaîne de télévision, ça pouvait marcher à cette époque-là. Mais l'évolution très rapide a fait qu'aujourd'hui, on doit éclater ces droits pour pouvoir tenir compte justement de ce que vous avez parlé tout à l'heure, de l'aspect streaming. La diffusion sur les réseaux sociaux, la diffusion sur les plateformes mobiles ne peut être prise en charge équitablement que si on arrive à éclater ses droits. On a tout centralisé, on le confie à une seule télévision qui dépense beaucoup d'argent et qui ne peut pas consommer tous ses droits. Donc je pense qu'il y a des pistes de réflexion aujourd'hui qu'il faut véritablement poser en essayant de s'adapter. Et ça, ça revient à ce que le professeur disait tout à l'heure et ce que tous les intervenants disaient tout à l'heure. Il y a une question de connaissance de la chose, il y a une question de formation à faire véritablement pour que sa réflexion, que la réflexion puisse être, on va dire, profitable à tout le monde. Merci, Aboubakri. OK, Salem, just, Mr. Salem, just to summarize for you, because we have lost the interpreters. Mr. Aboubakri Ba was talking about the fact that in Africa, it is kind of very difficult to understand that they have sold all the rights to one company, and there is no public television channel in Africa that can broadcast over almost 300 games every year. And so this is a mistake in terms of the African football leaders not being able to distribute the rights to different different stakeholders, different companies, and so on. And it's saying that in the future, we need to see how we can segment this right and not leave it in the hand of one company. Professor Sakho spoke about his institute and the role they're playing in terms of education and training people awareness within the ecosystem of football. And Riyad spoke about the COVID-19 impact on certain clubs and saying that he was surprised to see one club owner in Africa saying that he's losing less money now during this time because the explanation for it is today in Africa, most of the clubs don't have ticketing revenues, they don't have TV rights and so on. So when the pandemic arrives, obviously they're spending still the same amount of money they were spending, which is different for probably for most of the European countries that are losing clubs, that are losing much more money because they're losing ticketing, they're losing other marketing and a special product that they're selling. So that's kind of a very different impact in Africa compared to other countries, and maybe in the UAE is different. So this is just a summary of what was said, so just you're aware of what was said. Thank you for your patience, and this ends this little press briefing. Then we can share with the media later on. Thank you very much. Merci. Une dernière question, Ariane. What are the
Africa football. So just last question for Riyad, just want him to get his opinion because he's the only one that he has. I really want his opinion on the initiative of the Africa football. What do you think? Je m'excuse, je n'ai pas bien entendu, mon frère. Quel est votre avis sur cette initiative de Africa Football? Écoutez, c'est un grand plaisir de parler à mes frères du continent. On n'a pas assez l'occasion d'en parler. Sur cette histoire de droit, on se plaint toujours que d'autres personnes ont décidé, nous, en Afrique du Nord, on devait dépendre de marchés qui ont d'autres revenus, puisque nous sommes obligés d'acheter les compétitions de l'Afrique à des médias qui ne sont même pas en Afrique. Et c'est quand même parfois un peu incompréhensible. Nous constatons que certaines problématiques sont similaires. Et en tout cas, échanger avec des panélistes aussi sympathiques, aussi professionnels que vous, et répondre aux questions. Alors, si les gens souhaitent me poser des questions, ils sont tous les bienvenus. C'est un plaisir. Je dirais au professeur que s'il a des bons profils de gens qui ont une expérience, qui sont au Sénégal, qui ont eu des bons profils de marketeurs et tout ça, nous sommes toujours demandeurs. Nous pensons que, après tout, le football algérien a pas mal de joueurs qui viennent d'Afrique subsaharienne, mais il aurait peut-être aussi besoin, pas que des jambes, mais aussi des cerveaux bien formés que vous avez chez vous. On en a besoin vraiment. Et voilà, donc il y a beaucoup. J'espère que cette initiative se poursuivra et se répétera pour que justement nous puissions. Je crois que les échanges sont très faibles entre les pays africains. C'est l'un des grands problèmes. C'est son principal problème, on pourrait le dire. Nous sommes quelque part parfois dépendants économiquement de gens qui ne sont pas dans notre continent. Est-ce que c'est à cause de nous? Est-ce que c'est à cause d'autres personnes? C'est bien entendu un peu des deux. Donc voilà, les hommes qui ont pris ces initiatives, ben, qu'ils soient remerciés par nous tous, par moi en tout cas. Et je pense qu'ils font du bien à leur continent et à leurs frères. Voilà. This is a great initiative, and I hope that this initiative will not stop here. Will continue. This is bridging us, African, because we are not talking among each other enough. And it's also good that we are also connecting Africa with the rest of the world. And encouraging all the initiators of this event, and I hope it's going to go through. And we need to talk about the issue of the rights. And for that, us being from North Africa, there was a moment that we were not very clear about which territorial rights we're talking about, whether we should be on the territorial right of the Europeans or the Africans. And most of the time as well, we're getting the dictator from a dictatorship from probably some Europeans and other nations that are controlling the right for us. So it's time that for us we get together and put ourselves together. Thank you. Merci beaucoup. À vous. À bientôt. Je vais quitter la session. On va profiter de la conférence de